Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma page à Estampin You pour une nouvelle vidéo créative. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé le projet donc à l'avance et vous aviez la liste du matériel si vous voulez la réaliser. Je vais vous montrer la carte, mais on va attendre que tout le monde se connecte un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous montrer en attendant? Ah bah je vais vous montrer la carte que j'ai fait pour le défi de la semaine. D'habitude, je vous la montre en fin de semaine. Mais là, voilà, je l'ai préparée, elle est prête. Moi, j'avais choisi la colonne tag vélin bleu feuillage. Et voici la carte que j'ai faite. Donc, avec un petit tag qui cache le petit mot. Donc, du bleu, le tag. Du vélin ici que j'ai embossé pour faire un effet. Et puis, du feuillage. Sur le petit oiseau, on a du feuillage. Voilà, donc ça c'était ma petite carte pour le défi de la semaine. Donc regardez si tous les lundis je vous propose un défi pour celles qui veulent. Cette semaine, donc c'est un bingo. En fait, je vous ai fait un tableau avec 16, 16 consignes, on va dire. Donc 4 lignes et 4 colonnes. Et en fait, vous choisissez soit une ligne, soit une colonne et vous réalisez une carte. Donc voilà, moi ça c'est la mienne. Donc vous la verrez, elle sera en photo samedi, hein. Envoyez-moi vos créations et tout le monde sera publié samedi dans la galerie. Donc n'hésitez pas, hein, c'est l'occasion de participer et puis de partager parce que je trouve ça sympa en fait avec les mêmes consignes, on arrive à faire des cartes totalement différentes et je trouve ça très sympa. Donc la semaine dernière c'était une dictée de page. Là aujourd'hui, enfin cette semaine c'est un bingo. Et la semaine prochaine, ben, je n'ai pas encore décidé. Donc, même si vous avez des idées de défis, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et puis voilà, pourquoi pas. Bon, on va commencer la carte du jour que je vais vous montrer. Alors, je dis bonjour à Christelle, Frances, Christelle, Marie-Dominique, Catherine, Sylvie. Bonjour tout le monde. Alors, voici la carte du jour. Donc, c'est une carte très, très vintage. Avec un effet un peu, alors certaines pourraient dire un peu sépia. On peut trouver des cartes sépia sur internet, mais je trouve que c'est pas totalement sépia, donc je l'ai plus appelée vintage. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment la réaliser. Voilà. Je vous ai mis la liste du matériel hier, si vous vouliez la faire en même temps que moi. Et c'est parti. Alors, pour la base de notre carte, moi j'ai pris du papier très vanillé. Parce que plutôt que de partir du papier blanc, qui est très très blanc, en partant du papier vanille, on a déjà quelque chose de un peu cassé au niveau de la couleur. Et donc on se rapprochera plus facilement du vintage. Donc du coup, pour la base de ma carte, j'ai utilisé un papier qui fait 14,8 par 21. Donc je garde mes 21 dans ce sens-là et je fais 14,8. Voilà. Alors Christelle me dit qu'elle a fait le défi avec ses filles aussi. Oui, j'ai bien reçu toutes les cartes. C'était cool. J'ai déjà plus d'une dizaine de cartes hein, cette semaine. Donc, mais n'hésitez pas, hein, il est encore temps jusqu'à demain soir de me les envoyer. Alors, ensuite. J'ai pris ça, mais je m'en sers pas. Voilà. Donc on a notre base de cartes. Ensuite, j'ai pris un papier uni dans la couleur Doux Suède. Donc ce papier uni, il fait 10 par 14,3. Alors, je vais couper 10 cm dans ce sens. Et donc 14,3. Voilà, comme ceci. J'ai coupé un morceau de papier design. Donc c'est le papier qui va avec la collection Largon les Amarres, Terre à l'horizon. J'ai pris volontairement ce papier-là. Donc un morceau de ce papier-là. Donc ça fait un peu papier vieux journal. Donc si vous n'avez plus ce papier ou que vous n'avez pas ce style-là, de toute façon on va le travailler. Donc on aurait très bien pu partir même de quelque chose comme ça. Essayez de prendre quelque chose avec. Pas trop foncé, plutôt dans les couleurs claires et avec plutôt des pas trop de motifs. Alors, je sais pas, par exemple, dans ce papier là, oui, on aurait pu prendre le fard par exemple, ou même celui-ci, on aurait pu le vieillir. Je vais vous montrer comment on va faire. Donc,
essayer de trouver un papier qui colle avec l'idée de la carte. Alors, je pense que j'ai assez ici. Je pourrais refaire des cartes encore. Donc, ce papier design, il va faire 9,5 par 13,8. Donc, 9,5, donc ils y sont déjà, par 13,8. Voilà. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre parce que ça ressemble pas du tout à ce que tu as fait. Effectivement, entre là et là, on a quand même une sacrée différence. Mais on va le travailler ensemble. Déjà, la première chose que je vais vous montrer, c'est comment j'ai usé mon papier ici. Alors j'espère que vous le voyez bien à l'écran, mais là, le papier est vraiment très très usé tout autour. Donc mon papier qui est doux suède. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends mon papier. Et je prends une paire de ciseaux. Alors, coucou à Nathalie, Tiffany, Magali, Brigitte. Coucou les filles. Alors, je prends mon ciseau, en fait, et je vais venir gratter mon papier sur la tranche. Je vais le faire tout autour. Et selon si je gratte plus ou moins, j'aurai vraiment des usures plus ou moins prononcées. Donc, je vous montre tout simplement. Alors, je vais le faire un petit peu haut pour que vous voyez. Mais voilà, on va faire ça sur tout le long du papier. Donc, c'est plus facile d'être posé. Bon, vous l'usez jusqu'à ce qui vous plaise. Hein. Alors, regardez. On va faire ça de tous les côtés. Donc, il va y avoir plein de miettes sur mon bureau, enfin plein de poussière sur mon bureau aujourd'hui. Ça va être compliqué, mais je voulais vous montrer comment faire. Coucou Christelle! Donc, on va venir gratter son papier. Donc, il existe des outils hein, pour le faire. Moi j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment besoin d'un outil, un bon ciseau, ça fait bien l'affaire pour pouvoir comme ça vieillir notre papier et l'abîmer. Donc on pourrait carrément faire une entaille à l'intérieur pour faire vraiment un côté déchiré. Donc ça fait peut-être par contre un peu de bruit quand je le fais, mais voilà. Donc allez bien jusqu'au bout du papier parce qu'on a tendance à chaque fois oublier un petit peu un coin. Voilà, donc mon papier est vieilli. Alors je vais essayer de vous le montrer sur un support ou sur quelque chose pour que vous le voyez bien. Vous voyez? C'est facile. On va venir vieillir notre papier comme ça, enfin l'user. Alors voilà, ça par contre c'est beaucoup moins drôle. Parce que je vais en avoir partout sur le bureau, mais c'est pas grave. Alors, donc on a notre premier papier qui est fait. Donc on va venir le coller sur notre base. Jusque-là, tout va bien. Tiffany, si tu te blesses en faisant comme ça, je vois pas trop comment quand même. Hein. Normalement, il n'y a pas besoin de pansement. Hein. Bon, tu vas me dire, ça ferait un côté vintage encore un peu plus, hein, mais non, normalement, c'est une technique qui est sans danger. Alors, je centre mon papier. Doux suède sur mon fond de carte. Voilà, donc j'ai plein de miettes de partout. Et ensuite, on va venir travailler ce morceau-là. Donc, dans le bon sens, c'est mieux. Vous me direz, c'est bizarre parce qu'il n'a pas du tout ni la même couleur, ni la même forme tout à fait que le mien. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille de brouillon, donc, que je n'ai pas préparée forcément, donc je vais vite en attraper une. Ma petite feuille de brouillon. On a besoin d'encre. Donc j'ai pris le doux suède pour rappeler ma carte de fond. Et on a besoin d'une éponge. Alors ceux qui ont des doigts mousse, vous pouvez prendre des doigts mousse. Hein. Mais je vais vous montrer, c'est un petit peu différent avec une éponge. Alors les éponges, elles sont comme ça. Elles se vendent par 3. Ça vaut, je crois, 4 euros ou quelque chose comme ça. Donc c'est hyper pratique. Et vous voyez, on les découpe. Donc même là, elle est un peu grande. On peut la couper. Moi, je les coupe facilement en 6. Pas besoin de gros morceaux. Vous pouvez mettre, si vous voulez, pour repérer la couleur, une petite perfo ronde que vous venez agrafer dessus. Et comme ça, vous les rangez dans une boîte et vous avez tout à portée de main et vous savez quelle couleur vous avez utilisée. Donc, ici, notre papier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le vieillir en utilisant l'encre.
Donc je viens prélever de l'encre avec mon éponge. Alors je tapote toujours un petit peu à l'avant pour éviter de faire des taches, même si là en l'occurrence ce serait beaucoup moins gênant. Et je vais venir rouler mon éponge sur mon papier. Donc déjà je vais faire tout le tour. Donc, je vais tourner parce que mon papier de brouillon n'est pas très très grand. Oui, je dis ça à la fille qui a réussi à se couper avec un massicot. Oui, j'avoue, Tiffany. Bah, prends des... Si tu fais cette technique-là, il y a un outil qui existe pour le faire. Ce sera peut-être plus simple. Donc, on va faire le vieillir au centre aussi. Et donc, on va essayer de lui donner vraiment ce côté un petit peu usé. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit parfait. C'est pas grave si ça fait un petit peu des taches. Vous me direz, ça suffit pas à faire ce que j'avais fait ici. Donc vous voyez, on part quand même d'un papier qui est comme ça au départ. Je vais le laisser là pour le montrer. Donc pour le vieillir encore plus, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai froissé. Donc, ah, ça fait un petit peu bizarre la première fois. Voilà, mon papier, il est là. Et ensuite, je l'ai défroissé. Alors sans le déchirer, ce serait bien, hein, sinon on sera obligé de recommencer. Donc vous voyez, je vais venir le redresser. Mais il est marqué avec beaucoup, beaucoup de plis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir repasser avec l'éponge. Et en fait, tous les plis vont se marquer. Donc tous les plis... Alors s'il n'y en a pas assez, vous pouvez refroisser le papier. Éventuellement. Donc si par exemple à un endroit vous estimez qu'il n'y a pas assez, vous refroissez un petit peu le papier. Alors pour celles qui n'ont pas l'habitude d'utiliser déjà découper leur papier design, là en plus je vous le fais maltraiter. Donc voilà, vous froissez et puis vous venez réancrer. Et vous allez voir, en fait ça fait ressortir toutes les nervures, on va dire, du papier. Donc si là le papier s'arrache un peu, c'est pas grave, ça fait un effet vieilli. Justement, encore plus. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça, on va le garder pour tout à l'heure. C'est pas mal, non? Donc ça, on va venir le coller. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller avec du double face. Parce que comme il est hyper tordu, hyper abîmé, froissé, quand on va le coller, on va avoir un petit peu de mal à le coller et ce qui reste droit. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de double face. Alors... Donc simplement un morceau de chaque côté. Hein. Et ce sera bien suffisant. Hop. Alors, ça vous plaît comme carte? Déjà, est-ce que la carte de base vous plaît? Parce que moi, quand je l'ai faite, j'avoue que quand je l'ai eu finie, je me suis dit, oh vache, elle est belle. Bon, après, voilà, je ne suis pas très objective, c'est ma carte. Très joli, mais j'ai mal pour ce papier. Le papier, il a pas mal, t'inquiète pas. Alors ici, faut que je fasse attention au sens de l'écriture, décidément. Et donc, je viens le coller sur mon papier de tout à l'heure, sur ma base de carte. Alors, je le centre. Hein, un tout petit peu plus haut, pour que ce soit centré. Hop. Voilà, donc il va se remettre plus ou moins à plat, mais ça fait un peu le style de la carte aussi. On va refaire la même chose avec un morceau de doux suède sur laquelle on va mater notre fard. Donc je reprends un morceau de papier uni qui fait 8 par 11. Oui, super, très bien, j'adore. Bon, bah, nickel. Donc 8 par 11. Nickel. Si ça vous plaît, tant mieux. Donc on va refaire comme tout à l'heure. On va user notre papier hein, pour que ce soit raccord sur toute la carte. Donc je gratte mon papier avec mon ciseau. Donc vous voyez, c'est pas grave. Je fais même un trou. C'est pas grave, ça fait un effet.
Donc vous le grattez plus ou moins. Alors là, en l'occurrence, le papier qui va être en dessous fait 1 cm de moins de chaque côté, enfin de, au total. Donc du coup, vous voyez, vous pouvez l'user vraiment et faire quelque chose de très prononcé au niveau de l'usure. Amusez-vous surtout, c'est super sympa à faire de vieillir comme ça le papier. Alors si vous le faites déjà avec un brin comme ça, il n'y a pas forcément besoin de venir le réancrer. Mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer sur celui-ci. Je ne l'ai pas fait sur la carte de base, mais je vais vous le montrer. On peut revieillir ce papier-là, même une fois qu'il a été usé. On va venir, comme je l'ai fait tout à l'heure avec l'éponge, venir travailler un petit peu les bords. Alors, les morceaux s'effilochent un peu, mais c'est normal. Et en fait, ça va venir amener un tout petit peu de foncé sur nos bords. Et ça va vieillir encore un peu notre papier. Alors, je vous le montre sur le côté propre. Voilà ce que ça donne. Est-ce que ça va? Oui? Ça vous plaît? Alors, c'est juste un peu le bazar. Hop, voilà. Bon, j'aime pas quand c'est tout en bazar sur mon bureau. Voilà ici. Donc, on va mettre ça de côté pour tout à l'heure. Donc vous voyez, on est quand même parti de ça pour obtenir ceci. Hein. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Ça fait un effet un peu parchemin, on peut aller jusque là. Ensuite, donc on met ça de côté. On va prendre un morceau de papier aquarelle ce coup-ci. Alors, je ne vous fais pas souvent travailler avec du papier aquarelle, mais là ça va être nécessaire. Donc on va prendre un morceau de papier aquarelle. Donc il doit faire 7 par 10 cm. Donc, je vais faire 7 par 10 cm. Donc, vous voyez, il est bien plus petit que celui-là. Donc, on peut l'user à sa guise, le papier brune dune. Si jamais vous le trouvez un peu grand, vous pouvez le réduire d'un demi centimètre. Mais moi, je trouve que ça ressort bien. Ensuite, ce papier aquarelle, eh ben, on va venir le travailler. Et pour le travailler, je vais utiliser le Stamparatus qu'on a vu encore cette semaine en vidéo. Donc je vous ai proposé, ça fait 3 semaines que je vous propose des vidéos sur le Stamparatus. Et je vous propose une offre pour l'acquérir jusque dimanche. Donc n'hésitez pas à regarder, à vous renseigner. On va mettre ce papier aquarelle dans l'angle. Donc ici, on va venir caler notre papier. On va forcément venir prendre un tampon, c'est mieux. Donc ici, j'ai utilisé le set de tampons Terre à l'horizon avec le fard. Et donc c'est justement le fard que je vais attraper. Donc ici, je vais venir le positionner à l'endroit où j'ai envie qu'il soit. Alors faites attention parce que le bas du fard, si vous vous alignez sur le bas du fard, votre fard il va faire comme la tour de Pise, il va pencher. Donc alignez-vous plus sur le haut du fard que sur les vagues au pied du fard. Donc on va le mettre centré, hein, centré sur notre papier. Je vais mettre ça ici juste pour que ça le tienne. Voilà, comme ça. J'espère que vous voyez bien. C'est mieux les cartes sans fleurs. Ben, oui, ça dépend des goûts. Hein. Il y a des gens qui adorent les fleurs. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en 2 étapes tamponner notre fard. Donc, je suis restée sur la même couleur. J'ai pris du doux suède. Alors, juste, je vais mettre ça dessous pour que ce soit à peu près à la même hauteur parce que sinon, je trouve que c'est un peu plus pénible à ancrer. Voilà. Donc, ici, j'ancre bien mon tampon et je vais venir le faire sur mon papier aquarelle. Donc faut pas hésiter à le faire 2 fois si on veut quelque chose de très marqué. Parce que le papier aquarelle absorbe rapidement l'encre. Voilà. Donc là on a notre fard qui est déjà pas mal. Et en fait on va venir le travailler encore un peu avec des Stampin' Write, donc des feutres à l'eau. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du doux suède, donc la même couleur. Je suis venue retravailler un petit peu un des coins du fard. Donc un petit peu, c'est pour lui donner un petit peu
Ça va donner un petit peu de relief. J'ai utilisé du feuillage sauvage, donc j'ai mis un petit peu plus sur le bas, et puis un petit peu voilà sur les côtés. Donc je retravaille un seul côté du phare en fait. Et j'ai pris en troisième du corail calypso, c'était pour apporter une touche un petit peu plus claire dans le phare. Voilà. Je tamponne donc comme ceci. Donc j'appuie bien. Vous voyez, alors j'espère que si vous verrez à l'écran, ça fait un petit peu un effet. Donc on voit que ça a travaillé un petit peu au niveau des couleurs, ça fait un petit peu un effet. Donc je recale bien mon papier. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon aquapainter. Donc un pinceau avec un réservoir d'eau. Et je vais venir, comme c'est du papier aquarelle, on peut y aller très très franchement. Juste, je regarde que mon papier, parce que je m'en suis servi hier pour un devoir de mon fils, le papier, voilà, il était un petit peu sale, il me semblait bien. Donc je prends mon aquapainter et je vais venir travailler mon papier. Alors tout simplement, je vais venir passer sur le fard. Ça va enlever un petit peu de la couleur qu'on vient de mettre et ça va faire cet effet un petit peu vintage, cet effet sépia. Voilà, comme ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Donc, on va le laisser sécher. On va le laisser sécher. En attendant, on va préparer les étiquettes et les découpes. Donc, je vais mettre ça de côté. Donc, je laisse volontairement mon tampon au même endroit. En fonction de comment ça a séché, il y a possibilité de réancrer et de remettre un petit peu de couleur si on avait envie. Donc, je vais le laisser sécher comme ça. Je le pose à côté et on va finir, on va faire le reste de la carte. Donc pour continuer, on va préparer, donc ça c'est des découpes, donc qui vont avec le set de tampons Terre à l'horizon. Je vais vous montrer. Super, super, c'est beau, waouh, c'est génial. Bon, bah nickel. Je suis contente que ça vous plaise parce que moi je me suis régalée à la préparer cette carte. Donc voilà. Il y a des cartes comme ça que je préfère, que j'aime vraiment beaucoup. Il y a des cartes que j'aime un petit peu moins, hein. Mais celle-ci, je l'aimais vraiment beaucoup, donc je suis contente qu'elle vous plaise. Et il y a Monique qui arrive. Coucou Monique! Bon, t'as loupé le début de la vidéo, hein. Faudra revenir au replay. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé ici les branchages, enfin les algues, les trucs, ouais, c'est des trucs marins, quoi, hein. Les fleurs aquatiques, bon, on va dire ça. Donc je les ai découpées donc dans trois couleurs différentes. Dans une chute de papier doux suède. Dans une chute, j'espère que j'ai assez. Oui, ça ira bien. De vélin. Et dans un morceau de trait vanille. Alors, juste que je dois attraper. Ici. On va utiliser, on va faire ces trois découpes-là. Alors, un petit peu de place pour la Big Shot. Hop, je mets ça là. Donc, on attrape la Big Shot et on va venir faire nos découpes. Si je cache mon papier, ça ne va pas aller. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ma carte du jour. Profitez pendant que je fais mes découpes, comme ça je peux regarder en même temps. Les dies seront toujours au catalogue. Oui, le set de tampons et les dies seront toujours au catalogue. Par contre, petite indiscrétion, il n'y aura plus les 10% dessus. Souvent, on les a la première année, les 10%, mais pas la suivante, sauf exception, sauf des fois. Mais là, en l'occurrence, il n'y aura plus les 10% dessus. Donc, si jamais vous voulez profiter du lot avec 10%, c'est avant fin mai. Bah c'est bien, mais où est-ce que j'ai mis ma plaque? Ah bah voilà. Je papote, je papote. Coucou Annie. Coucou Véronica. Aujourd'hui, on est en train de faire une carte vintage, les filles. Donc, je coupe dans trois papiers différents. Mes petites algues, mes petites plantes aquatiques.
Bien sûr que j'ai déjà le nouveau catalogue, Tiffany. Il sort le 3 juin et j'ai commandé les exemplaires pour, voilà, pour les personnes. Donc je pense qu'à partir de mi-mai, je pourrais commencer la distribution et les envois. Ah oui, si tu as déjà les tampons. Ah oui, non, c'est dommage parce que c'est vrai que les dyes sont. Après, je dis ça, hein, c'est parce que moi je les utilise beaucoup, mais c'est vrai que. Ils sont vraiment, vraiment bien quand même. Alors ici, la découpe en papier vélin. Je vais essayer de ne pas la déchirer en la sortant parce que j'ai pas. Voilà. Ici. Et ensuite, on va faire la même chose dans le papier doux suède. Donc ça passera pas, je vais le mettre là. Il y avait plus de monde aux courses que ce que tu pensais, Monique. Eh ben, tu vois, j'ai envoyé mon mari faire les courses pendant que je fais ma vidéo, moi. C'est bien aussi, non? Hop. Voilà. J'ai mes trois découpes ici. Et alors, comme je vais laisser la Big Shot 2 minutes, le temps de tamponner, parce que vous avez vu sur la carte, j'ai utilisé l'encre. Comme j'aurais besoin de la Big Shot, autant que je le fasse tout de suite. Donc c'est pareil, j'ai fait dans la même couleur. Hein, je suis restée. En fait, toute la carte est basée sur la couleur doux suède. Donc je vais venir tamponner mon tampon ici. Et le découper vu que j'ai ma Big Shot de sortie. Alors, je vais mettre de mon côté pour mieux voir. Mon tampon. Et je le range comme ça c'est fait. Donc ici je vais venir découper l'encre. Alors sur le set de tampons en fait on peut découper une étiquette, un nœud, on a la barre, le gouvernail, on a le phare, on a deux bateaux qui sont sur le set de tampons. Donc le set de tampons, enfin les dies permettent de couper le phare, les deux bateaux et l'encre. Et une étiquette qui est sympa au niveau de la forme. Donc là, je vais découper l'encre. Alors, je vais essayer. Hein. J'ai pas prévu de masking tape ou de scotch pour le tenir. Donc on va essayer de faire ça droit du premier coup. Ce serait cool. Hein? On y croit? La dernière fois que j'ai fait ça, c'était tout tordu, mais bon. Allez, on y croit. Hop là. Et il est droit. Nickel. Donc voilà, comme ça, je pousse ma Big Shot. J'en ai plus besoin pour le moment et j'ai tous mes éléments découpés. Donc. On va ranger les dies. Je range au fur et à mesure. On m'a fait la remarque que je rangeais beaucoup. Mais au moins, quand j'ai fini mon atelier, c'est un petit peu rangé et c'est pas le bazar total. Et j'arrive à m'y retrouver. Donc voilà. J'aime autant. Sur cette encre, on va venir mettre un morceau de ficelle. Donc c'est pareil, hein, c'est toujours la même ficelle que je récupère. Sur la ficelle qu'on a sur le mini catalogue. Donc moi je prends ce morceau-là et j'ai en fait enlevé un morceau de ficelle. Donc ici, ce que je vais faire, c'est qu'au dos, je vais mettre un tout petit peu de double face. Ça va être pour tenir ma ficelle. Je vais vous montrer. Hop. Je mets un petit bout de double face et ça va venir. Donc, déjà, je peux faire un petit nœud. Donc, déjà, je vais faire un bête nœud tout en haut. Voilà, si ça veut bien. C'est toujours à ce moment-là que c'est le plus compliqué, c'est en direct. Voilà, donc j'ai ma ficelle ici. Et en fait, grâce au double face que j'ai mis, je vais venir lui donner un petit peu une forme au dos.
Voilà. Donc, hop, double face me permet voilà, de faire ça et d'avoir quelque chose un peu comme si c'était entouré autour. Voilà, ici. Donc, on va reprendre le fard. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Il a dû sécher. Regardez l'effet que ça fait une fois séché. Donc, je vais vous le montrer de près. Donc, en fait, ça a un peu cet effet vintage et un petit peu délavé. Donc, ce qu'on peut faire, c'est recaler le papier exactement au même endroit, hein. Donc ça, c'est important d'avoir calé son papier au départ. Et on va revenir mettre un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, c'est pour dire de redonner des traits, un peu de contour à ce fard. Voilà, regardez comme ça ressort, nickel comme ça. Chouette, non? Dites-moi ce que vous en pensez. Vous aurez appris à user le papier et à faire un effet vintage à l'aquarelle aujourd'hui. Alors, bon, je vois plus de messages. Alors, je ne sais pas si les gens sont encore là ou pas. Je ne vois pas. Vos petits messages. Donc, on va continuer le montage de la carte. Excusez-moi. Donc on va venir mettre les oiseaux. Alors, donc les oiseaux, bah du coup je les ai mis dans la même couleur, hein. Aujourd'hui je vous dis qu'on n'utilise qu'une couleur. Donc vous les mettez un petit peu où vous voulez. C'est pour dire d'habiller un peu le tour du fard. Vu qu'en bas après on aura une étiquette. Très bien les techniques, magnifique, je vais refaire, je trouve ça extra. Bon, génial les filles. Surtout si vous refaites, venez nous montrer. Alors moi je l'ai fait avec le fard, mais on peut le faire sûrement avec plein plein d'autres choses. N'hésitez pas à jouer un petit peu avec ce que vous avez. Donc on va venir coller le fard sur son mat, ici. Vous êtes concentré, c'est pour ça qu'il n'y a plus de message. Ah bah ça va, ça me rassure. Vous n'êtes pas parti. Moi, je le centre sur ma carte ici. Et je vais venir coller sur ma carte. Donc volontairement, je l'ai excentré pour pouvoir mettre ensuite. Alors, on ne la voit plus trop bien là. Mes petites décos ici. Donc, je vais faire la même chose. Donc je colle, hein, vu que c'est quand même déjà assez fort au niveau du. De l'épaisseur par rapport au papier et par rapport au fait qu'on ait usé le papier, je trouve qu'il y a déjà du volume. Donc il n'y a pas forcément besoin de mettre de 3D sur cette carte. Juste peut-être pour les petits éléments après qu'on verra. J'ai eu peur que ce soit encore humide. Voilà, comme ça. Donc du coup, il me reste à faire une étiquette pour pouvoir mettre mon texte. Alors, l'étiquette, il me faut du papier uni. Alors, est-ce que j'ai la bonne taille là? Non. Donc, hop. Donc, j'ai repris ma base en doux suède. Donc, j'ai fait une étiquette qui fait 1,5 par 9,5. Ici. Donc, 1,5 par 9,5. Et ensuite, un trait vanille de 1 par 9. Donc, 1,5 cm de moins que le premier. J'imagine bien un train d'une ancienne collection. Effectivement, le train de l'ancienne collection, on avait un train. J'avais aussi une ancienne collection de pirates avec une très belle tête de mort. Alors, moi, je ne suis pas très fan de tête de mort d'habitude, mais celle-ci était vraiment très belle. Je pense que ça peut être bien. Vous avez gratté les autres cartes sur votre base de cartes. J'ai gratté la base ici, enfin les deux bases en les deux morceaux de papier doux suède. Là, le papier, je l'ai usé et je l'ai vieilli.
Donc si jamais tu as loupé le début de la vidéo, ne t'inquiète pas, il y aura le replay, tu pourras le voir en replay. Alors sur le set de tampons, il n'y avait pas forcément un texte qui me parlait par rapport à la carte et j'avais envie d'un texte en longueur. Donc je suis allée chercher un texte sur Tropique éternel. Donc c'est notre amitié défie le temps. Et donc notre amitié défie le temps, comme vous pouvez voir, je l'avais coupé en deux. Oui, je coupe mes tampons en deux quand ils sont trop longs. Ça m'avait permis de faire une étiquette en fait sur deux lignes au lieu d'avoir quelque chose de long une fois où j'en avais besoin. Mais regardez, quand on les met sur le bloc, bien bord à bord, on récupère l'étiquette comme si on ne l'avait pas coupée. Donc il n'y a aucun souci. Voilà, c'est comme si je ne l'avais pas coupée. Donc voilà, quand vous avez besoin d'un morceau de texte, moi ça m'arrive comme ça de couper mon texte. Alors, je vais faire dans la même couleur. Ah bah voilà, on va refaire de l'autre côté. Le fait de ne pas être en face, ben voilà, je fais des bêtises. Bon, on va refaire l'étiquette. Ça vous arrive vous aussi de vous planter, hein? Donc c'est tout, je refais mon étiquette. Donc 1 par 9. J'ai mis de l'encre sur le bord. Donc comme il ne faut pas faire. Et donc du coup, ça me fait une tache. Et donc je n'aime pas ça, donc je recommence. Donc quand ça vous fait ça, c'est que vous avez en fait ancré en basculant votre bloc. Et donc du coup, il y a de l'encre qui s'est mise sur votre bord de tampon. Donc dans ces cas-là, on le nettoie bien. Et on vient recommencer. C'est pas grave, c'est juste une étiquette. Donc voilà, là j'ai pas mis d'encre sur mon bord. Ça ira beaucoup mieux. C'est pas facile parce que je suis pas tout à fait au-dessus de mon bureau, donc des fois, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc je ne couperai pas au montage hein, parce que je ne monte pas mes vidéos ensuite. Donc c'est pas grave. Ça montre aux gens que ben voilà, même nous on se trompe. Même nous, des fois, on rate et c'est pas grave, on corrige ou on refait. Hop là. Je vais venir coller mon étiquette sur ici. Bah d'abord, je vais l'user un petit peu. Alors, pour l'étiquette, j'ai usé beaucoup moins parce que déjà la carte était très chargée au niveau de l'usure. Donc, je l'ai fait, mais très légèrement pour dire que ce soit raccord avec le reste de la carte. Mais. Vous voyez, j'ai fait ça de façon assez légère. Donc après, c'est selon votre goût, hein. Voilà. Ensuite, bah, du coup, je colle mon étiquette. Et je vais venir la mettre en 3D sur ma carte. C'est la seule chose avec l'encre que j'ai mis en 3D. Pour dire qu'il y a un petit peu de volume quand même à l'arrière. Pas de souci pour celles qui prennent en route. Comme d'habitude, il y a le replay à la fin. Je crois que j'en ai remis une au milieu parce que sinon c'était un peu. Voilà. Il y a le replay qui sera de toute façon disponible sur ma page, comme d'habitude. Et pour celles qui préfèrent. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur YouTube, sur ma page qui s'appelle I Stampin' You. De la même façon, vous aurez toutes mes vidéos dessus. Je m'amuse à toutes les remettre. Donc ici. Donc, je viens le mettre un peu comme vous avez envie. Hein. C'est juste pour meubler le bas un peu de la carte. Et donc, ici, ce que j'ai fait, moi, c'est qu'en fait, je les ai collés les uns sur les autres avant de venir les coller. Et alors si vous voyez, ils ont beaucoup d'effets. Je vais vous montrer. Je me suis amusée à un petit peu leur donner une forme. Alors il n'y a pas besoin qu'il y ait beaucoup, hein, mais voilà, ça leur donne un petit peu une forme plus vivante, moins plate. Et ça marche aussi sur le vélin. Voilà, c'est juste pour dire de, là je les ai beaucoup travaillés, donc du coup ça prend beaucoup de volume. Mais juste pour vous montrer, juste avec le dos, vous mettez, donc ça c'est la face de mon papier, vous prenez et vous
passer comme ça votre plioir, tout simplement. Donc je vais venir coller les uns sur les autres. Donc je pars du plus foncé. Donc je mets un petit peu de colle dessus. Et en fait, je vais venir coller. Alors je les ai collés un petit peu en décalé. J'ai mis un petit peu beaucoup de colle, mais bon, c'est pas grave, ça se verra plus. Et ensuite, le dernier en décalé également. Alors moi, je trouvais que mon papier, bon, que ce soit mon étiquette ou mon algue, n'avait pas beaucoup de... C'était un petit peu trop palote. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon Aqua Painter. Et comme il y avait encore de tout à l'heure, je viens passer un petit peu dessus. Et en fait, si j'en ai pas assez, je peux reprendre dans mon capuchon ici. Et je reviens. Ah ben voilà. Normalement c'est collé. Je viens un petit peu lui donner cette même teinte vintage, un petit peu sépia, qu'avait le reste de ma carte. Est-ce que ça va? Oui? Tout le monde suit? La colle. Hop, plus de colle. Alors ici, je mets juste une pointe de colle au dos, donc pas une tonne comme tout à l'heure, voilà. Et je vais venir coller dessous. Donc je glisse sous l'étiquette que j'ai faite tout à l'heure, vu qu'elle est en 3D. Et je viens appuyer bien fort pour pouvoir le coller. Voilà, il me reste mon encre. Alors du coup, je vais mettre des petits des petites mousses 3D. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, hein. Avec deux, c'est très bien. Et je viens la mettre ici, un petit peu à cheval. Voilà, comme ça. Oui, vous êtes toujours là? Oui, ça vous plaît? Bon, oui, je continue à faire des vidéos comme ça aussi souvent. Je vous embête. Alors, cette carte est presque terminée. Qu'est-ce qui manque? Eh bien forcément, il manque ma boîte de stress pour venir mettre un petit peu de touches brillantes, métalliques, etc. Donc là, je ne suis pas partie sur des trucs qui brillent de trop, je suis partie sur les éléments design. Moi que j'aime bien, il y a doré, argent et cuivre. Et je trouvais que le côté doré rappelait un petit peu ce côté vintage. Donc moi, j'ai pris celui-là. Non, on n'oublie jamais les strass. Le jour où j'oublie les strass, je pense que vous pouvez m'envoyer chez le médecin ou quelque chose. Que ça n'ira pas. Donc moi j'en ai mis trois comme ça, mais encore une fois, vous faites comme vous voulez. Moi je trouve que c'est sympa comme élément et ça fait des cartes, ces éléments là c'est top pour des cartes un peu plus masculines. Souvent justement les gens me disent non mais on met pas des strass pour les hommes. Ben si, déjà moi ça m'arrive. Et justement, alors je vais peut-être vous les montrer de plus près parce qu'en fait je me rends compte qu'à l'écran on voit peut-être pas. Mais justement, ça permet d'habiller la carte, de rajouter une petite touche de brillant, de voilà, sans avoir un effet trop féminin. Voilà, donc ça, c'est parfait pour les messieurs. Ou alors, on a souvent des éléments en métal ou des petites choses qu'on peut venir remettre. C'est plus ce genre de choses qui plairont aux messieurs. Enfin, quoi qu'il y en a qui aiment que ça brille. Hein. Voilà notre carte. Faut pas oublier les strass. Ben non, j'oublie pas. Oui, 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 tout va bien. Oui, trop, trop top. Bon, ben tout va bien. Tout le monde aime. Regardez. Alors du coup, vous voyez, d'une fois sur l'autre, on n'a pas forcément le même résultat au niveau des couleurs, au niveau du fard. Ça va dépendre un petit peu de la quantité d'encre, de l'effet qu'on va venir mettre avec les Stampin' White. Voilà, ça dépend un petit peu de forcément, c'est du fait main. Donc, on n'arrive pas à avoir deux choses à l'identique exactement. Voilà, c'est une petite touche personnelle. Voilà. Dites-moi si vous aimez. Mettez-moi plein de petits mots. Superbe, très belle, très jolie. Bon, tout va bien. Tout va bien. Alors, cette carte, ben, comme d'habitude, il y a l'une d'entre vous qui la gagnera ce soir. Je ferai un tirage au sort à 20h.
Donc la carte que j'aurai bricolée aujourd'hui sera envoyée à l'une d'entre vous. Donc laissez-moi un petit message. Si vous regardez en replay, laissez-moi un petit message. Dites-moi que vous le regardez en replay. Si vous réalisez cette carte, bah, ce soir du coup, je mets en même temps que le nom du gagnant, je mets la photo de la réalisation. Donc en dessous, vous pourrez mettre toutes vos réalisations, toutes celles qui vous ont, toutes les réalisations que vous aurez faites à partir de cette technique. Même si c'est pas un phare, même si c'était pas du Stampin' Up, hein, je veux dire, il n'y a aucun souci, n'hésitez pas à montrer ce que vous faites. Moi, j'aime beaucoup voir ce que vous faites, voir ce que vous faites de ce que je vous propose et tout ça. Voilà, donc ça, je mets de côté. Et je vais vous parler d'un projet qui aura lieu ce soir. Donc ce soir, je serai en live, donc deux lives dans la journée. Hein. Ce soir, je serai en live sur la page, sur le groupe, pardon, qui s'appelle Débute en Scrap. Donc c'est un groupe de scrap, notamment il y a beaucoup de débutantes dessus. Donc on essaye d'y prodiguer beaucoup de conseils. Et donc je serai en live ce soir à 20h30. Vous pouvez retrouver l'événement ici sur ma page et sur le groupe. Il y a la liste du matériel. Et alors en avant-première, vu que vous êtes mes fidèles qui me suivez régulièrement, je vais vous montrer ce que je ferai ce soir en live sur cette page. Donc c'est un mini album à poser. Allez, je vous montre. C'est ce mini album là. Hop, un petit peu de place. Donc là, j'ai utilisé le papier coquelicot, mais je vais vous faire autre chose ce soir. Donc vous verrez bien. Ce sera un peu la surprise. Ça donne envie de se lancer. Mais il faut se lancer, il faut oser, il faut essayer. Moi, quand ça ne veut pas, il y a des fois, ben, ça part à la poubelle, hein, comme chez tout le monde. Et puis voilà, mais surtout, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir. Et le scrap, enfin voilà, moi j'ai eu des soucis de santé, dont je n'ai pas forcément envie de parler là. Mais le scrap m'a permis de tenir et d'avoir une pêche d'enfer. Et donc, je le partage avec vous. Donc, du coup, mon mini-album de ce soir sur le groupe Débutant Scrap, ce sera celui-ci. J'imagine que vous avez envie de voir l'intérieur. Donc, ici, on a ceci qui se retire. Et l'intérieur se présente comme ça. Alors, dites-moi si... Bah déjà, est-ce que ça vous plaît? Parce que comme ça me mettra un petit peu moins de pression pour ce soir. Parce que j'espère que ça va leur plaire. C'est un groupe que je connais pas beaucoup encore. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde dessus. Donc, voilà. Donc dites-moi si ça vous plaît. Et donc cet album, alors pour vous montrer, il va se poser comme ça. Il peut se poser sur un buffet, sur une commode, sur une, oui, une commode, une table de nuit. Ça peut être très sympa. Moi j'ai mis 5 photos comme vous pouvez voir, mais on peut aller jusque un peu plus parce que vous voyez, on peut remplacer des carrés ici de papier uni ici ou de papier coloré par des photos. Voilà. Donc pour ce soir, n'hésitez pas si vous voulez venir réaliser avec moi ou au moins me soutenir. Hein. Vous pouvez venir sur le groupe Débutant Scrap, vous vous inscrivez. Voilà. Et vous pourrez ce soir réaliser avec moi ceci. Bon, pour la fête des mères, ça peut être une chouette idée. Hein. On met photo avec les enfants ou les petits-enfants, enfin bref. Et ça peut être très sympa. Hein. Franchement. Oui, ce soir présente, super jolie. Bon, à vivement ce soir. Bon, bah c'est cool les filles, je vous retrouve ce soir. En attendant, bah je vais, je ne sais pas, je vais peut-être scraper encore un peu. Aller voir si mon mari a fini les courses, les ranger. Et puis, donc on se retrouve ce soir à 20h30 sur le groupe Débutant Scrap pour réaliser ce mini-album. Et sinon, on se retrouve samedi ici. Oui, pour un faire-part, pourquoi pas faire un faire-part mariage naissance. On pourrait le faire même un peu plus petit. Enfin, faire. Il y a moyen après de l'adapter à plein plein de projets. Hein. Donc, ça c'est pour ce soir. Et sinon, on se retrouve samedi pour. Samedi, ce sera pour des cartes. Alors, samedi, j'ai prévu des cartes avec des chutes de papier. Donc, prévoyez des chutes de papier unies. Donc, vous prévoyez que 4-5 couleurs de papier unies. Pour mardi, et je vous montrerai deux trois petites choses pour les utiliser ces chutes de papier dont on ne sait plus quoi faire parce que quand on scrape, on garde plein plein de chutes de papier et après, des fois, on est un petit peu débordé. Donc, les chutes de papier pour ce samedi et pour les gens qui seraient débutantes, samedi, on n'utilise pas de machine, on n'utilise pas de trucs très compliqués. Donc, vous verrez, il faut juste du papier blanc et du papier uni. Hein, un petit peu de perfo si vous voulez mettre des décos, mais vous verrez, c'est assez simple. Donc voilà, je vous retrouve ce soir à 20h30 si
si vous le souhaitez sur le groupe Débute en Scrap ou samedi à 14h ici même. Je vous souhaite une très belle après-midi. Profitez du soleil si vous en avez. Et puis voilà, je vous souhaite une belle après-midi. Je vous fais des bisous.